even get some calls. Salut à tous, c'est Fana et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur GTA 5 Online. Donc comment débloquer le Verlim très rapidement. Donc c'est vraiment très simple, donc c'est une course créée par Rockstar avec un Sonic dedans et vous avez juste à recommencer plusieurs fois. Donc vous allez dans héberger activité, créée par Rockstar, course et vous cherchez un cartable clandestine. Donc c'est vraiment très simple, hein. Vous n'avez pas pour longtemps. Si vous avez 0 saut en 30 minutes vous avez les 50. Donc je vous montrerai dans la vidéo comment j'ai déjà fini. Mais que ça augmente quand même pour vous montrer une preuve que ça marche. Une fois que vous les trouvez, vous la lancez. Voilà, une fois arrivé là, vous mettez un tour, parce qu'une fois que vous avez fini, c'est long de faire les deux tours. Puis vous confirmez les paramètres. Donc là, vous lancez, vous mettez privé, vous lancez. Vous demandez un message, si vous voulez vraiment lancer en solo, vous faites oui. Une fois arrivé là, vous prenez votre voiture, n'importe laquelle. Et là maintenant, vous vous rendez directement au saut. Donc vous faites un peu de course, vous verrez dans la vidéo, vous verrez un pont. Et faut vous arrêter à ce pont là en fait. Ça va vous permettre de faire, c'est un saut unique. Et ça va vous permettre de le faire plusieurs fois. Et à chaque fois vous gagnez de l'RP, ça veut dire que bah vous avez réussi le saut. Et à chaque fois vous faites start, statistiques, voiture et saut unique réussi, ça marquera. Donc pendant que je fais la route, je vous conseille de me rejoindre sur Facebook, sur Twitter, ou de m'ajouter sur Skype si vous avez un problème pour réaliser des glitches. Pas de soucis, je réponds à tout le monde. Donc comme pour les glitches d'argent, j'avais répondu. Ou sur les Xbox Live, vous m'ajoutez Skynox Fanatic. Donc je réponds tout le temps à mes abonnés, donc il n'y a pas de soucis pour ça. Il y en a qui pourront confirmer. Donc voilà, une fois arrivé, donc, presque arrivé on va dire. C'est un glitch vraiment très simple, hein, vraiment. Faut juste avoir un peu de patience pour faire les sauts. Donc voilà, une fois arrivé devant ce pont, comme je vous montre dans la vidéo, c'est juste à prendre un peu de vitesse et à sauter juste en face. Essayez de rater sur les 4 roues, ça marche beaucoup mieux. Essayez de redresser bien votre voiture. Et voilà, dès que vous gagnez de l'RP, donc ça veut dire que vous avez réussi le saut unique. Et vous faites ça à chaque fois. Donc je vais vous montrer à combien j'en suis et vous montrer que ça marche vraiment. Faites statistiques, voiture et vous descendez avec l'autre joystick. Fait que je suis à 51. Voilà. Et maintenant je vais refaire, hein, vous verrez que je suis à 52. On a surtout bien raté, hein. Ça va plus vite parce qu'une fois que vous ratez une fois, après, c'est chiant. Excusez-moi pour le téléphone. Donc voilà, vous voyez que je suis à 52. Donc voilà, j'espère que ce glitch vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Allez, ciao tout le monde.